dans la vie, dans le baka, rien ne sert à courir. Et dans la vie, il faut une organisation. Pour le moment, ils sont pas membres à MFC. L'objectif de M. Valé est de soutenir le président Fatih. Le reste, MFC a parti de moi, tout à la mona. Non, il y a un militant MLC qui est d'accord parce que tous ceux qui décident en Afrique, ils sont nés, ils sont d'accord, ils sont allés comme même le président Félix, à l'élection, pour élire la deuxième fois, il peut passer un mandat à 5 ans. Comme étant président de la République. Dans quelques années,
redonnons de la fierté aux Congolais. Le D de démocratique, mais moi je le mettrais le développement. Développement parce que notre pays est classé comme un pays sous-développé, un peu paradoxalement parce que nous avons des atouts pour avoir un des pays les plus développés, si pas les plus puissants du monde. Mais, comme vous le savez, le développement passe par une condition sine qua non, c'est la paix. Et pour avoir la paix, il faut s'en donner les moyens. Donc, c'est ça que nous entendons par développement de notre pays. Le C, vous avez un bilan largement positif. La crédibilité. La République démocratique du Congo a retrouvé sa crédibilité aujourd'hui. Les preuves sont là. Nous avons connu, comme le monde entier, la crise de la Covid. Pendant 2 ans, les économies du monde entier étaient en panne. La croissance était négative, presque partout d'ailleurs, sauf en République démocratique du Congo. La preuve, c'est que les agents de migration aujourd'hui ont rehaussé la cause de la République démocratique du Congo qui affiche aujourd'hui un triple D. C'est la preuve que des efforts sont fournis en République démocratique du Congo. Avec le FMI, pour la première fois dans l'histoire de notre pays, un gouvernement va achever toutes les 6 revues du programme avec le FMI. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous allons gagner en crédibilité et en investissement. Les gens vont se bousculer pour venir en République démocratique du Congo parce qu'ils ont compris que quelque chose est en train de se passer, quelque chose est en train de prendre forme et ils vont ne pas vouloir rater ça. Voilà, vous voyez vous-même comment ce que j'ai dit demande à être parachevé et non pas à être réparé comme disent certains. Le Congo n'a pas besoin d'être réparé. Le Congo n'est pas un véhicule ou un organe de... Le Congo n'est pas un véhicule ou un organe de corps pour être réparé. Le Congo, c'est une nation. Le Congo, c'est un peuple. Il y a besoin de pain et de paix. Nous travaillons à lui ramener la paix et nous travaillons à lui donner du pain grâce à un programme très ambitieux de transformation agricole. Cette transformation que je veux et qui est devenue une réalité aujourd'hui. Je vous ai parlé de la société STL de Lubumbashi, mais il y en a encore d'autres que j'ai vues lors de l'exposition dans le Lualaba. Et là, je voudrais vraiment tirer un chapeau avec tout le grand respect à notre gouverneur Maman Touré. Mais également, je ne veux pas faire de jalousie. Aux étrangers. Et donc,
fabriquer des candidats. Voilà. Ces candidats vont venir pour parler. Bien parler, Congolais et Congolais. Faites très attention. Et ne craignez rien. Parce que vous, vous êtes les plus forts. Le peuple a toujours raison. Et donc, vous les reconnaîtrez à leur langage. Ils vont vous amener des concepts venus d'ailleurs. On a entendu déjà parler des notions du genre. Au Congo, nous n'avons pas de problème d'orientation. Des concepts venus d'ailleurs, des concepts comme la notion du genre. Au Congo, nous n'avons pas de problème d'orientation. Vous reconnaîtrez ces gens-là lorsque leurs parrains vont leur donner un mot d'ordre pour se réunir, se mettre ensemble pour devenir plus forts. Mais ils vont se tromper, ils ne seront pas plus forts parce que c'est notre peuple qui est le plus fort. Voilà pourquoi je dis à l'étranger, il est temps de laisser tomber cette politique du passé qui consiste à soutenir des pantins et de penser pouvoir les faire élire contre la volonté du peuple. Vous devez rester vigilant jusqu'au bout. Je crois que c'est eux seuls qui peuvent se mobiliser et rester devant les bureaux de vote. Ma cause, Bino Pebotika à la demande. Vous reconnaîtrez ces gens-là par leur discours, vous les reconnaîtrez lorsqu'ils se mettront ensemble. Et à ce moment-là, nous pourrons dire que nous avons vaincu. Parce que le combat est rude, comme je vous l'ai dit, mais le combat nous légué par notre leader et ses compagnons de lutte pour un Congo nouveau, un Congo fort, libre et prospère, ce combat, nous sommes en face de le gagner. Donc je dis aux étrangers, je dis à l'étranger, au lieu d'avoir des candidats à qui il va dicter sa volonté, il doit plutôt venir en République démocratique du Congo et nouer des partenariats publics et privés qui vont se mettre à la volonté de notre peuple. Ils n'ont pas à dicter leur volonté, mais à faire la volonté de notre peuple. À l'instar, justement, de ce que nous sommes en train de faire avec les États-Unis d'Amérique, avec la République populaire de Chine, avec la Turquie, avec le Japon, avec les Émirats arabes unis, voilà des partenaires qui sont venus investir en République démocratique du Congo pour aider les Congolais à créer des emplois, à transformer leurs richesses chez eux, à développer la chaîne de valeur ici en République démocratique du Congo et à rendre fière la population, le peuple congolais. Voilà en quoi tient mon programme, c'est dans ces trois lettres. RDC comme République démocratique du Congo, mais RDC aussi comme Renaissance ou Remontada. Oh, ouais. La fondation de RDC.